C'était l'hécatombe lundi dans ce supermarché. 9 personnes prises de malaise. En cause, une odeur de peinture jugée incommodante. Ce que je suis en train de faire, je suis en train de peindre l'escalier. Donc moi j'utilise peinture d'extérieur ou vêtements bordage. C'est que d'après moi c'est lundi qu'ils ont fermé à cause de d'odeur de peinture. Mais moi j'étais pas là. Je pense que la peinture n'est pas gênante. Pourtant, tous les clients ne sortent pas indifférents. Moi, ça m'a gêné un petit peu. J'ai dit ça aux gens qui sont à l'intérieur et ils sont venus me voir. Oui, ça me gênait un petit peu. Parce que moi, il se peut que je fais l'allergie et une fois cette odeur-là, ça me gêne. J'ai la tête qui tourne et bon, je me suis éloigné hein, de toute manière. Voilà. Ça m'incommode vraiment. J'étais obligé de ressortir d'ailleurs. J'ai vu qu'il y avait des ambulances ici, mais bon, je ne me suis pas arrêtée pour voir ce qui se passait. L'odeur de la peinture est assez forte à l'extérieur. C'est maintenant que je me rends compte, parce que comme je fais des allergies, je sens que ça me dérange. Mais à l'intérieur, non. Ça va à l'intérieur, pour le moment. Ça ne m'a pas gênée, effectivement, mais je ne suis pas restée trop longtemps à l'intérieur. Donc voilà. L'inspection du travail et les sapeurs-pompiers se sont rendus sur place. Résultat, la peinture s'est révélée non toxique.